Je sais pas. J'ai un peu des doutes sur la vipère, mais autrement, le deck est plutôt bien. Parfait, ça. Ok, on va voir quand on pioche la bonne carte si ça fonctionne. Allez. Donc là, du coup, je pioche un pirate. Je vais très rapidement faire les trois tics de quête. Derrière, ça va m'équiper d'une arme. C'est vraiment ça qui est nul, c'est de s'équiper d'une arme, quoi. Oh là 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 là, ça snowball! C'est si fort! Je pensais qu'il faut qu'il passe la première quête à deux pirates. Je pense que s'il passe le premier tic à deux pirates, ça devient vraiment fort. Là, c'est vrai que c'est un peu le limite. Et surtout plus de pirates impactants en wild, c'est déjà plus marrant à jouer. Ouais, mais en wild, y a trop de pirates trop forts. Là, la quête, ils l'ont équilibré pour le standard. Non, attendez, on est trop bien là. Attendez, si je gagne pas celle-là, c'est qu'il y a un problème avec la quête. Hein. En fait, il faudrait que ça t'équipe l'arme. Putain, je pensais que ça t'équipait d'une arme aléatoire. Non, ça pioche une arme. En fait, il y a deux solutions. Soit il laisse à 3, mais ça t'équipe une arme. Soit il passe le fait qu'il n'y ait besoin que de deux pirates et là, tu pioches une arme. Mais il faudrait qu'il fasse un buff dans ce sens-là. Je me demande si je fais pas rempart d'Azinoth et je tape dedans, ça me ferait deux tics. Au moins je tue ça. Je pense. C'est du grand n'importe quoi en ce moment. Warlock et Hunter sont abusés. J'en croise pas tant que ça, hein. J'en croise un petit peu, mais moi c'est assez équilibré ce que je trouve. Ce que je croise le plus, c'est ce voleur quête là.
C'est le deck que je croise le plus. En top 100. Voleur quête et DH quête. De temps en temps, il y a du Warlock. Hein, j'en ai croisé là, c'est certainement. Je croise un peu de Chasseur aussi. Mais moi, c'est vraiment très équilibré tout ce que je rencontre. Donc si vous vous prenez que la même chose, essayez de trouver les counters. On parlait du wild. Ah, pardon. Dans standard, je trouve que tout est vraiment très équilibré. Hein. Genre, il y a des trucs qui ont l'air forts, mais c'est pas si imbattable. Pour une sortie d'extension, je trouve qu'on s'en sort bien. On a vu un peu tout type de deck passer. Maintenant, ça va. Oh, attendez, là, je le tue, là. Oh là là, incroyable. Bam, je lui casse son arme. Aïe. Attendez, mais ça sort d'où ça? Créé par Taupe Infiltré? Ah ouais. Oh, il est pas mal, hein. Ça se met pas bien, du coup. Plutôt ça et ça. Oh là 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 là. C'est ça, ça se passe comment cette quête guerrier? C'est la seule que j'ai eue, je galère à la jouer. Tu pars sur une version contrôle apparemment. Je pars sur la version du chat. Il camoufle. Et là, faut que je gagne de l'armure. Parce qu'en gros, il pourrait lui donner Furie des Vents. Avoir l'étal là, je pense pas, hein. Ah, il pourrait en soi. Il y a moins qu'il ait l'étal. Mais je me voyais mal ne pas équiper la quête et faire 16 d'armure. C'était peut-être le plan, hein. Faut qu'il puisse donner Furie des Vents à ses trucs pour avoir l'étal.
Shadowwalk à toi, mon frère. Merci, Caius Pupus, pour ton abonnement. Ok, s'il prend les trades, je pense qu'on est bon. Heureusement qu'il n'avait pas la carte qui donne Fury des Vents, hein, la deuxième, sinon c'était perdu. Peut-être qu'il en joue qu'une après. Bon, allez, la toute puissance de la quête. La pire arme, putain. On a gagné! La vipère, bof bof. En vrai, je vois pas quoi jouer d'autre. C'est quoi ça? En termes de tempo, ça c'est pas mauvais, hein. Comme on est sûr de piocher une arme. Allez, des cartes quand même. C'est échangeable, Vipère, ouais, mais. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher certaines cartes dans mon deck, vraiment? Bon, fabricante de baguettes serait pas si mal dans le deck, tiens, je viens d'y penser. Étude athlétique aussi. Je pense que c'est quand même meilleur étude athlétique, hein. C'est une vraie bonne carte. Il y a trop de spells nazes à 1, mais non, pas en guerrier. Hein. Pas vraiment de spells trop nazes. Oh là là, regardez ça. Oh, on va battre le top 10 légende en Warquette. Je le sens, là. Ah, c'est la vidéo YouTube. Salut, YouTube. Ça, c'est sûr. C'est le destin. Le Warquette du viewer. On a juste changé deux cartes. J'ai enlevé les vipères pour jouer les études athlétiques qui vont me permettre d'aller réduire les jeteurs d'encre. Allez, la canaille! Oh là là, valeur du sabre. Deux sabres, c'est si parfait. Allez, on avance dans la quête. Oh, j'aurais peut-être joué ça cash. Hein. Il va se faire éclater, vous allez voir. Non, mais je vous permets pas. Parlez pas mal du deck du viewer.
En vrai, ouais, je vais jouer ça direct. Hop. Déjà? Oh mais non, mais il a tout! Tu m'étonnes qu'il est top 10 légende! Regardez-le! Il a réduit les deux cartes qui font piocher 12 000 cartes! Moi aussi, je peux être top 10 légende si je pioche comme ça. Hein. Oh non, c'est notre chance de briller avec la quête. Je suis obligé de jouer ça pour le tuer. C'est horrible. En fait, il va... j'aurais même pas eu le temps de jouer Mutanus, il aura déjà fini sa quête, il aura déjà posé. Attendez, mais là je suis à... Oh là 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 là... C'est si mauvais. Ça, c'est pas mal. Ok. C'est ma chance. Alors, peut-être. On peut gagner. Let's go! Alors, alors le top 10 légende. Ouais, attends, non merde, il va me tuer là. Non, no way, no way, no way, no way. Non, il peut pas me tuer, il peut pas me tuer. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, parce que là, il se fait des dégâts, il pioche des cartes. Mais il va se faire des dégâts quand il va les jouer. Non, 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 c'est bon. On reste focus, on reste focus. Regardez, il se fait des dégâts. Non mais stop par contre. Non attendez, je vais pas la perdre quand même. Attendez, 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 on se concentre.
Alors. Attendez, c'est pas fini. En plaque lourde, c'est très bien ça. Je fais ça. Ça pour être sûr de le tuer, lui. Ce qui fait beaucoup de dégâts. Ah, les dégâts dans la gueule, parfait. Et 8 points d'armure. Ok, faut tenir. Il est presque mort. Il est mort et il peut rien jouer. Toutes ses cartes, elles coûtent du. Elles coûtent de la vie. J'ai pas de pirate. Ça va pas face, évidemment. Ok, je pense qu'il faut commencer par ça pour piocher. Oh non, je vais perdre, les gars. Je fais quoi? Je joue ça? Ah non, mais ça, c'est un pirate! Je tue ça. Parce que lui, ça l'empêche de jouer des cartes. Oh, putain, mais il regagne trop de vie. Est-ce qu'il a encore 2 points de dégâts, vous pensez? Est-ce que rancune, ça me sauve même pas, hein? Bon, attendez, maintenant avec ça, rancune, ça me fait gagner. Rancune, c'est instant win. J'aurais pu taper, ça change rien. Ah, j'ai un taunt. Je mets le taunt, hein, c'est mieux que la quête. À quel point elle est horrible cette quête, c'est pas possible d'en arriver là. J'ai fini la quête, je veux pas la jouer tellement c'est nul. Oh merde. Mais quel game! Trop fort l'inquiétoire! Let's go, c'est qui le patron? La meilleure quête! Oh, ça screen, là, on screen de partout! Ça part sur YouTube! Attendez! Dites à YouTube que c'est trop bien! Ah, vous êtes là, regardez! Oh là là, la quête, c'est trop fort, la quête, what a player! Oh là 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 là! Oh, c'est si fort! Si fort, guerrier quête, merci aux viewers qui nous ont envoyé ce deck. 54 légendes! Incroyable, vous avez vu le déroulement de la partie, à quel point la quête était si forte. Ah, je pense faut la nerf, hein, faut faire quelque chose là. Oh, mais quel game!
Quel game incroyable! On a battu le 10e légende! Ah.